Et re tout le monde, voilà, c'est Anarfi. Je me suis reposé genre 10 minutes, on va dire, 10-20 minutes. J'ai repris un peu de la patate là, là je le sens, je suis chaud. Jusqu'à le prochain coup de barre. Donc voilà, c'est reparti. On va niquer des mers. Faut vraiment que j'aille manger, en fait, juste ça le problème en fait. Juste ça le petit truc. Puis dès que j'aurai mangé, je pourrai repartir de plus belle. Du coup, en fait, il me faut des poussières. Ah, c'est juste ça ce qu'il me faut en fait. Juste une envie, c'est vite de up quoi, putain. C'est-à-dire que je viens juste de passer 106 quoi. J'ai l'impression que c'est interminable. Bon, je crois que je me suis foutu dans une belle merde ici. Ah non. Elle est sortie par là. On va sortir. C'est quoi, on va sortir. Pour éviter les couilles. Puis on va se faire des mobs comme ça. J'ai celui carnel aussi. Je vais leur ramener le mien au cas où pour qu'il me le pète aussi. Il veut pas. Bah c'est gentil l'ami. Ah enfin mon dieu. Ok nice. Donc alors, on en est où déjà en chapitre? On est en 1 sur 5 encore. Je pense qu'on va finir ce chapitre là déjà. Ouais, je pense bien qu'on va le finir. Alors. Ah non. Ah bah il faut que je retourne tuer le mec que j'ai tué tout à l'heure. Comme un connard. C'est ce dragon qui vous envoie? Ou ce queue de runasse? Peu importe. Bientôt, tous se prosterneront devant le nouveau prince d'Ascona. Mais non, parce que je t'ai dit juste avant et tu vas remourir. Non mais attendez, attendez, il y a une quête là. On se fait full shoot depuis tout à l'heure. Je ne fais pas confiance aux souffre-nuits. Je vais mettre de la lumière dans ma chambre parce que là. Choix. Hop, excusez-moi. Alors, comment je fais pour les lâcher là? Utilisez les jeunes dragonnets. Mais si vous essayez de me duper, vous aurez affaire au courroux de tout ce vol draconique. Donc est-ce qu'il est désactivé là? Ok. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais c'est faux! Misérable vermine! Vous ignorez à qui vous avez affaire! Hop, putain. Je vais vous tuer dehors, je vais vous bouger dehors, calmez-vous les amis. Il y en aura pour tout le monde. En fait, c'est vrai que si je veux, j'ai juste à des kites. Si je suis un grand flemmard et que je laisse mon. Comment ça s'appelle? Mon orion de flamme. J'ai vu comme il est boosté. Et... Le flamme il fait des sacrés damage quoi. La preuve vue d'ailleurs il prend des sacrés dégâts. Juste par l'Orient. Je voulais juste voir ce que ça donne mais. J'espère que si je kite un peu plus. Ça va peut-être un peu plus facile. Bon, où sont les autres pillars? Il y en a un. Juste en face que j'ai vu tout à l'heure. Qui est là, mais j'ai évité d'aggro les autres mobs en fait, c'est pour ça. Donc on va envoyer là. Et le dernier, où est-ce qu'il est? C'est lui? Ah putain, attends, tu vas faire chier ton monde aussi. Et le dragon il tape. Il rate tout, mais il tape. C'est marrant. Alors tu l'es.
Non. Oh, ça c'est moche. Vraiment, j'ai eu. Donc, hop, on peut aller. Ah, c'est un mec direct ici. Et là, on peut aller du coup se rendre. Oh, bon. Alors, je l'ai déjà fait tout à l'heure, on l'a déjà tué. Inutilement d'ailleurs. Mais on va le retuer du coup. On va se heal. J'étais mis en pop-up. C'est un pop derrière moi. Ouais, bah tu as oui je vais au moins rester un peu là. Oubliez les lignes telluriques, mes frères. Refaisons le puissant des dragons. Et voilà, ça m'a fait. Donc là, je pense que le chapitre est fini. Oh, ouais. C'est du bon ça. Oh, ouais, clairement, faut prendre lui. Hop, on va terminer le chapitre. Voilà. Son heure, par contre, le casque que j'ai en avoir en épique. Regardez, il se dirige vers le bassin de grand-père. Il n'est pas trop tard. Nous devons juste passer les montagnes pour leur couper la route et... Qu'est-ce qui lui arrive ? Non, ils sont partout ! Accrochez-vous, nous allons descendre. Ah ouais. Il y en a vraiment partout. Azuna était autrefois au centre des recherches sur la magie. Il s'est attaqué. Oh là là, regardez cette scène. Oh le pauvre. Ah, moi je devais pas aller au dragon alors que l'eau il se fait casser la gueule quoi. Y'a Kedgar, il est là. Pouvez-vous aider mon grand-père ? Je suis content. Je suis sûr que vous allez nous aider. Oh, mais toi là. Kedgar. Nous trouverons une solution. J'ai besoin d'une cible. Je n'ai pas de cible. On doit d'abord choisir une cible. J'ai besoin d'une cible. Tellement franchement les amis, je sais pas comment, je trouve ça tellement reposant, je sais pas quoi vous dire, c'est fou. Après wow, quoi. La zone, et puis c'est, je sais pas, c'est intriguant là, de voir qu'il y en a un qui se fait alors. Bah, je tente de le soigner. Ouais. Visiblement, c'est à moi de le soigner.
Oh, lui va mourir tout seul en fait. Il va mourir avec mon... mon truc. Ah non, non. Oh, je suis fou de mourir avec mon autre. Il est mort avec. Alors, donc c'est ça que je dois soigner. Par exemple. Non. Même pas. Je dois les soigner comme ça. On les soigne comme un connard. C'est bizarre que ça marche pas. C'est vraiment bizarre. Ouais. C'est quoi le petit dragon autour de moi là? C'est bizarre de voir tout seul là. Qu'est-ce qu'il fait lui? Est-ce qu'il va réussir ou pas? Ouais, bah comment il fait? Alors ça c'est inexplicable. Ah, merde, j'ai bougé mon son de mon casque, ça fait exprès. Seriously, faut m'expliquer. Donc là, c'est d'être dans la grotte. Ah, ça, c'était obligé. Allez, vite passer une autre. Est-ce que ça, ça marche pas ou pas? Attends, est-ce que si j'utilise comme ça? Ok, donc ça marchait pas de l'utiliser en item. L'utiliser en item comme ça, ça marche pas, donc il fallait l'utiliser via l'inventaire, d'accord. C'est bon à savoir. Ça va un peu plus vite que mon il a moi quand même. Après on les a tous soignés. Ok, tu veux laisser deux petits mobs à tenir. On va tuer ces deux là. On va laisser tranquille. Je n'ai pas voilà. Allez, toi tu vas te prendre une explo. Boum. On va y aller de quête. Et l'archimagère, voilà. Alors du coup, ouh, le temps c'est très intéressant. Maîtrise hat, score crit poly. Je pense que c'est mes deux devant. Prio la hat. Hein. En deuxième. J'ai bien peur que grand-père n'en ait plus pour très longtemps. Nous nous reverrons. C'est étrange de voir des visiteurs par ici, après tout ce temps. Ça doit être belle, c'est un petit dragon... tout petit. Tout mignon. Putain, mais what the fuck, c'est encore en train de se battre. Il devait pas être mort, lui. Oh là là. Laissez-moi tranquille. On part là. J'ai hâte de faire un nouveau équipe. Cette fin consume mon esprit. Je dois faire appel à la moindre parcelle d'énergie en moi pour le fusque. Que... Qu'est-ce qui se passe? M'entendez-vous? Je ne vous vois plus. Alors, le moment de prendre congé l'un de l'autre est peut-être venu dans ce cas. Merci pour votre amitié et pour m'avoir permis de rendre mes derniers instants utiles à quelque chose. D'accord, ok, rien de plus. Non, vraiment rien de plus, d'accord. Donc là, il faut les tuer. Ah, c'est le sort de... Bah il est là. Il est en train de tuer, il est en train de me tuer.
ces bassins appartiennent aux sacres nuits désormais. Aidez-moi. Non mais mec, tu touches pas. Tu touches pas, c'est mort. Tu lui touches pas. Tu touches pas à ces négos, ma gueule. Non, casse les gueules. Je suis plus mettre ce belle, ça. Je pense que. Je vais vraiment casser un. Alors voilà lui. Sauver où et là on va recevoir son pouvoir. Le vol draconique bleu n'est plus que l'ombre de sa gloire passée. Toi pour le coup ouais. Voilà, on a fini, on a reçu sa sa faveur. Ok, bon, maintenant où est-ce qu'on peut aller? Où allons-nous aujourd'hui? Eh bien, on va descendre juste en dessous, je pense que j'ai même pas besoin de prendre de fly. Non, je peux zoomer comme ça. Ok. Eh bien, cool. Écoutez, on va continuer comme ça. Merde. Ouais, on va continuer comme ça. Attendez, on est arrivé dans... Là, il y a des quêtes, là. Est-ce que ça fait partie de la suite? Oh, Tranchebec. C'est trop loin. Ils sont vraiment connus ces élites, je trouve. Je trouve vraiment vraiment connu ça. Dans cette zone en tout cas. Bien chier. Je pense que déjà genre, je vais pouvoir augmenter pas mal mon DPS de... Que je vais avoir mes 12% de dégâts en plus sur une surcharge de matin. Moi je demande mon DPS. C'est à dire que bon, la surcharge c'est quoi? C'est une deuxième auto. Ça duplique un spell, donc ça peut quand même. Mais ça duplique pas le spell à 100% des damages. Le premier, du coup, je pense que augmenter de 12% sur le cas, ça pourra faire vraiment un bon gros up si j'ai de la chatte. Sur des procs de avec mon gardien de tempête, plus avec les passifs et tout, des éclairs et tout, il y a moyen de faire très 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 mal. Ça va, ça va. De très gros damage. En plus, t'as que des licornes bizarres là. Alors, est-ce que. Azeroth ne doit pas tomber. D'accord, drôle de quête. Donc, ouais, ça me mène encore là-bas. On va aller là-bas. Alors, je vais juste aller ici pour le moment. Il nous reste 3 chapitres. Qui va là? Mettez vos mains et vos armes là où je peux les voir. Je suis derrière toi, connard. C'est... J'écoute. Oh, c'est un naga. Que les étoiles vous font. On va se fight contre les nagas. Ah oui, clairement, on est dans la zone. Clairement, oui, on va se fight contre... Contre les nagas. Contre les nagas... Il faut un peu moins mal que les autres mobs, ça. Alors, peut-être qu'ils ont.
Oh non. Ok, donc ça va un peu plus vite déjà les nagas. Allez, bim. Je suis capable, c'est quoi ce gros truc là? C'est quoi ça? Bah, c'est vil. Si je prends le stun, c'est pas utile. Oh bah lui c'était clair et net. Oh lui c'était clair et net. Il s'est fait complètement ouvrir. Allez. En tout cas, je suis en train d'y penser, mais je suis pressé de vous présenter les raids avec ma guild. Faire plein de petites vidéos sur les anciens raids. Donc, oh, pas forcément les anciens raids parce que je pense que j'aurai pas le temps. Mais des vidéos sur les donjons. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, les quêtes journal, beaucoup beaucoup de choses. Du coup, voilà, je suis vraiment pressé de 210 pour présenter toutes ces choses. Je pense qu'avant je vais avoir pas mal de vidéos à sortir avec les let's play. Au moins 13 vidéos je pense. Un peu, ça va faire un peu comme le let's play sur Draenor. Pas 13 vidéos. Qu'est-ce que j'ai foutu? Putain, j'ai juste à le tuer quoi. Je valide d'où la quête. Je valide en face. Pourquoi en face? Ah non, c'est pas que je la valide, c'est que je dois tuer le commandant. Le commandant qui est là. Pour y accéder. Il est tout en haut ? Voilà. Ah, après ça c'est les genres de bâtiments qui est dans les elfes de la dans le. Aux elfes de sang, la zone du départ. Le départ des elfes de sang, c'est les bâtiments typiques de là-bas, je trouve. De cette zone. Alors, est-ce que pour air pop, s'il vous plaît. Voilà. Donc, hop, 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 hop. Tous ces préparatifs avant. Mais après, je balance la sauce d'un coup. J'étais 92k sur un bon cycle. Et encore, je crois que j'ai pas proc ma dernière éclair sur mon gardien des tempêtes. Sur mon gardien des tempêtes, putain. Alors. Clairement la ceinture. Admin. Je vais vous conduire au prince Varundis, si c'est vraiment ce que vous souhaitez. Allez, conduis-moi. N'hésitez pas à lui cracher dessus pour moi si vous en avez l'occasion. Parce que j'ai même pas besoin de l'attendre, hein. Je vais directement rush. Oui, c'est si dur. Pas là. Non. Juste là. D'accord. Ah, il y a des quêtes et tout. Je suis honoré. Allez. T'as pas mal de mobs, hein. Pas mal de quêtes.
Ok, c'est parti pour la suite. Non, attendez, j'en ai oublié une, je crois, t'inquiète. Ouais. Nous sommes condamnés à errer pour l'éternité. Récupérer 55 os. Mon dieu. Des quêtes bien chiantes. Dans la guide de ce niveau là. 106, 100... Ok. Oh. Je sais pas si je dois les tuer. Là. Voilà, j'ai aucun rapport. Aucun intérêt de les tuer, je veux dire. On va les tuer quand même. Allez, on va les tuer quand même. On avait juste le bâti ici. Allez, salut. Ouais, c'est clair que je suis clairement pas dans la zone de. Clairement pas dans la bonne zone. Mais c'est tranquille lui. Tu te battais pas contre moi à la base. Oula. Ah. J'arrive pas à sauter. On dirait un camp de Murloc. Ah bah d'accord. Alors attendez parce que... Les os, on doit les récupérer dans ces zones là. Et ouais. Ok d'accord. Donc sur eux. On a cassé la tête lui. Du coup, bah écoutez, on va commencer par, par faire des beaux trucs, hein. C'est-à-dire qu'on va leur passer tête direct à la chaîne d'éclair. Ça c'est fait. Ça va vite fait, bien fait. Ah, mais oh là là là. Je n'ai pas de cible. Ça fait du bien de te retirer des murlocs, je trouve ça vraiment beau encore. Je vais reprendre une petite photo aussi. Je vais essayer de prendre avec le coin des murlocs. Allez, zoom. Sans casser des. En plus, on a Dalaran là, regardez. Je prends juste les murlocs là. Ouais, il y en a que Dalaran. Et voilà. Hop, et après, on se casse la tête tranquille. Alors, ce vieux mob. Une effet je ne sais quoi. Ah ça, ça fait plaisir. Ça c'est vendable ou pas? Ah non, c'est lié. Et ça c'est cool ça. 75 comme ça. Ça franchement ça fait trop plaisir. Ça donne le sourire. Non, pour le coup c'est trop cool. 75 comme ça gratos, c'est l'équivalent de limite de faire une... Bah, je gagne quoi? Je gagne 50. Du coup je vais faire des... Des trucs avec la terre là. Je sais plus comment ça s'appelle. Oh, il est ici, le homme. Hop. Murloc Shaman. Et c'est moi le plus puissant des shamans, c'est tout. Allez, hop, la preuve. On va leur casser la tête encore. Easy. D'abord choisir une cible. Je suis bolzi, bon, j'ai pas beaucoup de vie. Je n'ai pas beaucoup de vie. J'aurais pas dû casser une éclair. Bonsoir. Il faut apprendre. Oh non, putain, vous avez pas tous me casser les couilles. Encore la glitch chasseur.
Ok. Ah ouais, non mais là il y a beaucoup trop de murlocs là. Je peux pas avancer sans me fight. Attendez, parce que là ça va partir en couille, je pense. Non. Bah merde, parce que j'ai cassé mon spell. Non, j'ai ruine. J'ai ruine. Attention, parce que là je crois qu'il fallait tuer ce gros truc bientôt. Faut les tuer ? Ça va faire quoi avec lui? Ah non, à lui je crois. Tout en faisant gaffe. Ok, d'accord. T'as vu le mec, ça fait quoi? Il est sous la flotte normale quoi. Ah, y'a un peu un boss murloc. Si je veux faire, j'aurai juste à peu près quand ils bougent les murlocs. Faut pas que je les aggro tous. Ok, c'est parti. Oula, attendez. Ah, j'ai un truc dans le nez ces derniers temps, c'est un peu chiant. Ok, donc on va le tuer tranquille, lui. Posez les totems. Oh putain, il s'est énervé le chaval là. Voilà, donc comme ça, ça s'est fait. Tac, 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 tac. Là, on fait les trois éclairs. À se passer. On le stun. J'ai du mal à le tuer quand même. Ouais, un 300 000 qui est parti là. Allez. Allez, allez. Enfin. Je vais essayer de passer par là encore parce que... Visiblement... Faut le tuer ça. Ouais, faut le tuer ça. Pareil, un truc à tuer. Oh merde. On a plusieurs à tuer là. Est-ce que j'aurai le temps? Je vais prendre ici pour être safe, pour pas me taper les autres mobs. Ah, je voulais pas caster mon éclair, je vais faire ça. Le troisième éclair, vite, avec le proc, voilà. Break, je l'explose. Ouais, c'est passé mieux. Sûr. Mais vraiment, mon Orion de terre, ouais. Éclair, vraiment first en DPS. L'Orion de flamme qui est juste derrière. Mais pourtant, l'Orion de flamme, il est full. Ah, le paratonnerre, ça DPS pas tant que ça. Hein. Le paratonnerre. En vrai. Peut-être moyen de faire plus de faire mieux. Ouais non, on va rester avec ça pour le moment. Je pense que ça peut être mieux. Il n'y a pas mieux pour le moment.
Ah, est-ce que je dois faire quoi avec ça, les œufs? Œufs imprégnés d'arcane. Je chope ça où? Ah, je chope ça là, d'accord. Donc, je suppose que elle, je vais lui piquer son œuf, elle va se barrer, elle va me taper la gueule. Voilà, comme un. Ah, mais ça, c'est les mobs. Deux mobs. Enfin, les grues. Je sais pas si vous vous rappelez. Ah, c'est pas les terres foudroyées, c'était quoi? Ah, c'était comment ça s'appelait l'île là? Avec les. J'ai perdu le nom. Ah, les smartphones en anglais. Je regardais sur. Sur ma map. Pandarie. L'île figée. L'île du temps figée, voilà. Putain, l'île figée. Ah là là. Bon, je me suis rappelé au dernier moment, quoi. Ouais, ça m'a rappelé, ça m'a vraiment rappelé du temps figé quand j'y allais, qu'on passait niveau 90 et qu'on passait. Moi je kiffais là-bas, je passais ma journée là-bas carrément. À trouver des items. Enfin, au début c'était vraiment plus sympa, c'est quand tu cherchais des items, tu faisais tous les petits trucs qu'il y avait à faire, tu farmais tes quêtes et tout. C'était cool ça, c'était vraiment super sympa. Il y a eu ça sur WoW, mais je trouvais ça moins agréable quand même avec. Avec les missives et les quêtes journaux. Pour avoir des cristaux d'apogée, franchement, c'était pas intéressant. C'était pas, je trouvais pas ça sympa. Moi, je le faisais comme ça je payais mes breloques avec. Ou je payais en PO, donc. Mais c'était vraiment pas. Ça m'intéressait vraiment pas, quoi. Que là, t'en figé, franchement, moi j'ai. Bah, après, c'est que j'ai commencé sur map, mais peut-être que j'ai aussi du plus kiffé, c'est des histoires de nostalgie. Mais. Je sais pas. Bon, 3, où est-ce qu'il y a des grues par-ci par-là? Il y en a une là-bas, donc l'œuf doit être pas loin. Beaucoup de mobs. On va se heal au cas où. Il y en a une là-bas aussi. Plus safe, mais lui il attaque pour choper son œuf, je crois. Voilà, bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Je vais me sauter de ma gueule là. Je vais me taper les deux sur la gueule, regardez. Hop, 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 voilà, c'était sûr. Putain, ça c'est con là, ils se leur entre eux et c'est moi qui prends l'agro. Oh! Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ouais, je fais le dernier œuf là-bas. Désolé, je regardais un truc sur le téléphone en même temps. C'était pas un SMS, hein. Je regardais un truc par rapport à un mob. Alors, hop, on a 5 œufs. Oh bah lui, il a plus de grue. Enfin, il a plus de piaf. C'est trop loin. Allez, salut. On se tire. Bon, nice, on a fait 4 quêtes, je crois. 4 petites quêtes. Oh non, 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 je vais dépop. Bah ouais, putain, c'était sûr. Et là, je risque d'aggro tous les murlocs du monde. Oh non, j'espère pas. Franchement, ça serait cool. Oh. Dégagez de là. Je vais aller vers lui, tiens. Ça me fera. Si les mobs vont vers moi. Ah, c'est une guilde sur les XP entre eux. Qu'est-ce que Bibo? Ah,
Je crois que ce pseudo me disait un truc en fait. C'est pour ça que je retrouve le mec. Je dois d'abord choisir une cible. Partio. Ça partio, c'est quoi? L'orbe et l'épée. C'est pas lui que je cherche. Ah, bon bah désolé, écoutez, en fait ce pseudo m'a rappelé quelqu'un que j'ai plus en ami à cause de divers problèmes. Une longue histoire et en fait je voulais voir si c'était lui en fait. Parce que bon, moi je suis pas teubé et puis bon, au bout d'un moment, le mec il manque un petit peu et du coup je voulais voir un peu ce qu'il devenait. Et il avait sa marque de fabrique sur son pseudo, du coup je me suis dit c'est peut-être lui mais il s'est barré trop tôt. Du coup j'ai pas eu le temps de voir. Ah là là, les problèmes liés au jeu. Une longue histoire aussi, ça. Allez, hop, pour finir les petites quêtes là. Excuse-moi. D'accord. Je n'aurais jamais dû. 4 quêtes quand même, ça va faire plaisir. Non, les jambes non plus. Que la puissance des arcanes soit avec vous. Ce n'est que par votre billet que je trouverai la rédemption. Alors, voix aux elfes de la nuit, mon dieu. Tellement belle, tellement douce. Il est en train de boire, lui ou quoi? Ouais, il est en train de boire. Alors, hop, 19 000. Et maintenant, la couche finale. La touche finale. La couche, je voyais la couche comme ça. Ah, ok, elle a bu cul sec. Qui se l'est mise, lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Et qui s'est bourré la gueule et... Azula était magnifique. Il y a 10 000 ans de cela. Oui? Ne faites jamais confiance aveuglément. Et surtout pas... Je vous quitte, veilleur de la nuit. Mais je doute que vous regrettiez mon absence. Ne vous éloignez pas. Restez à côté de moi. Ok. Je vais rester à côté de toi comme ça. Depuis quand cette route est-elle inondée? Je vais devoir demander à ce qu'elle soit entretenue. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pu faire ça avant quand même. Vous avez le culot de revenir ici. Azuna était magnifique autrefois. Il y a 10 000 ans de cela. Pour cette excuse. Ah d'accord. J'ai besoin d'une cible. Oh. Bon, la question qui se pose c'est pourquoi il s'excuse-t-il? Pourquoi s'excuse-t-il? S'excuse-t-il? Restez avec moi. C'est vous qui nous avez fait ça, Pharondis. Visiblement. J'ai fait ce que je croyais être juste. Il se fait insulter par tout le monde. Ah, attention! On perd du murloc. Il ne m'aime pas encore. C'est encore moi qui carry quoi. C'est moi qui carry encore. Surtout restez à proximité. Avec depuis une heure je l'attends. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait là? Où allez-vous? Où êtes-vous? D'accord. Écoutez les amis, je pense que... Où allez-vous? Je suis là. Halte là! Nous ne vous laisserons pas retourner à Nartalas. Pas après ce qui s'est passé la dernière fois. J'implore ton pardon, Talris. Vous avez causé la destruction de notre foyer. Vous nous avez refusé la délivrance de la mort. 10 000 ans de damnation pour 10 000 elfes! Tout ça à cause de vos alliances imprudentes et de vos manœuvres hasardeuses! Que puis-je faire pour me racheter?
J'ai doute que vous puissiez faire quoi que ce soit désormais, prince. Ok, les amis. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et on découvrira... Oh putain, mais j'arrive vraiment pas à parler, mon dieu. Excusez-moi, franchement, j'ai vraiment du mal. Donc du coup, on découvrira la suite de l'histoire du prince dans le prochain épisode. Et j'espère pouvoir up enfin niveau 107. Ciao, bye bye, c'était Anarfi. À la prochaine. Peace.